Alors on se traîne. Ça a l'air d'être un beau jeu. Eh bien bonsoir à tous et à toutes sur GamersLife.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Sticky, bonsoir, de Gonzo, salut, et de Léon. Salut. Et on se retrouve sur du lourd, très très lourd. Ah oui. Ah bah là c'est de la qualité. Ah ouais, non. Alors on envoie du... C'est du free to play déjà, c'est gratos. Ouais, mais ça n'excuse pas tout. Voilà, donc c'est déjà un avantage, on va dire, au départ. Mais... Ouais. On a déjà deux personnes. On entend déjà Gonzo qui sont pas très satisfaites. Et également Léon. Sticky, lui, est un peu plus tolérant déjà, un peu comme moi. Ah, moi, je suis un peu tolérant, moi. Sticky joue à Homefront, donc ça compte. Alors, c'est vrai. J'avais oublié que ses références étaient Homefront. Jusqu'à la fin de tes jours, tu te confineras, mon gars, Homefront, hein, t'es sûr. Ah, mais regardez-moi ces belles textures sur le trail, notre super bonhomme. Enfin, je veux dire, c'est tout, quoi. Ouais, c'est Didier. Donc moi j'ai un FAMAS parce que j'ai gagné le droit d'avoir un FAMAS pendant une journée. Ouais, la même. City est black. Tout le monde est black, en fait. Bah ouais, on a tous... Non, il y a... Non, oui. C'est toi ou Julien qui est... Ça doit être... Julien qui est blanc. Mais non, ouais. Non, Julien, non, non, il y a non. Ah ouais. Ah non, c'est quatre joueurs, les gars. Il y a que lui. Il y a que lui qui a le droit. En fait, en gratuit, il y a que... Il y a que deux skins, tous les autres sont payants. Et moi je me suis dit, bah, je vais regarder combien ça coûte pour voir, je suis allé voir dans l'item shop. Et du coup, tu peux pas les acheter indéfiniment. Tout ce que t'achètes dans la boutique, c'est maximum pour 30 jours. Ah ça y est, j'ai ouvert le truc. Bravo. Donc on a même pas dit ce que c'était d'ailleurs, hein. C'est Fear Online. C'est sorti aujourd'hui. Ouais, ça sort aujourd'hui. Donc, ouais. C'est qui est-ce qui développe et qui édite ce truc? Aria, je crois, en tout cas. Aria Game pour l'édition, par contre, le développeur, ouais. Bonne question. Les mecs qui se cachent peut-être. Ah, il y a des flics. Donc voilà, donc c'est. On se croira revenu à l'époque de Coulter, version Half-Life 1. Hein, en termes de. C'est très nerveux, par contre, ça c'est cool. Ouais. Ah non, mais le pire, c'est que dans Fear 2, tu pouvais détruire ça. Là, on peut pas, ok. Ah non, mais ça a l'air. Non, mais je trouve que le premier. Il y a de la fusée, qu'est-ce que tu racontes, toi? De quoi? D'où il y a de la physique? Attends. Le mec, il y a de la physique sur l'arme, c'est tout. Mais même pas, enfin, je veux dire. C'est Counter-Strike Source, en fait. Toutes les balles, elles vont direct dans la cible, quoi. Il n'y a pas besoin de compenser, quoi que ce soit. C'est vraiment, t'as l'impression de tirer à l'airsoft, quoi. Ah, mais t'as l'impression d'une surpuissance à la Rambo, quoi. Ah, je suis ciblé d'accord. Bien les murs invisibles. On est quand même à des années-lumière de Fear 1. Ouais, même de Fear 1, moi je trouve, ouais, carrément. Hein. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de désarmer une bombe. Ah, je croyais que t'étais en train de planter une bombe. Ah, le mec, le mec qui joue du mineur, quoi. Il y en a en compagnie de BHL aussi. Voilà. J'espère que vous avez lu mon livre. faut aller de l'autre côté, les gars. Y a un petit... Ah ouais, il y a un indicateur pour le rondol. Il y a un indicateur, ouais. Oh, putain, il y a un gros là. Un gros. Il s'appelle Black Ops. D'accord. Oh, il est costaud là. On perd pas de vie, j'ai l'impression. On est en train de brûler, je brûle, voilà, c'est bon. Oui, j'ai toujours 75 de vie alors que je me fais napalmer la gueule. Et je suis au petit gun en plus, j'ai même plus. Ah, c'est sans... Ah oui, c'est vrai qu'on a que. Pas beaucoup de munitions, c'est chaud. Pas beaucoup de munitions, et donc pour les armes, c'est pareil que pour les skins. Oh. En gros, oh là là, oui, je sais pas ce qui s'est passé. Être épileptique. En gros, y a que ces deux flingues là qui sont dispo gratuitement. Enfin, non, c'est un M4, d'ailleurs, c'est pas un FAMAS. Le FAMAS, c'est parce qu'on s'est inscrit, donc c'est pour nous remercier de nous être inscrits. Mais sinon, y a un M4 et un Beretta, point barre. Les armes du tuto sont même pas ces armes du jeu, hein. On te les prête, mais en gros, c'est pour te dire, bah voilà, si tu veux jouer avec, faut payer quoi. Et du coup, donc en fait, t'as que deux armes quoi. Aïe, voilà, parfait. Ah, donc on est tous là-dedans? Apparemment, ouais. Rassemblement! Ah, tout ça pour une cinématique, ok.
On se croirait dans... Mais non, je te jure, au niveau de la physique, on se croirait dans Serious Sam, quoi. C'est sérieux, quoi. Le truc, le gun, il bouge pas, quoi. Et t'as beau envoyer des vieilles salles de Mongol, le flingue bouge pas. Ils font aucun bruit, des espèces de boules chelous là. Ah, mais attendez, faut qu'on pousse ça, les gars! Mais qu'on pousse comment? Ah, faut se mettre de l'autre côté en fait. Allez! Tu me bloques là dans mon dos. C'est bon. Et ça devant moi, au fin derrière moi, je peux pas reculer. Mais Shell, il est encerclé! Ok, je me suis fait rail, je suis mort. Ouais, bah non, moi aussi, je vais pas tarder avec l'AMC. Ah, attends, je crois qu'on peut, revive, voilà. Ça coûte rien ou... Alors pourquoi t'as sorti ton iPad? Voilà, parce que j'avais besoin de faire un petit coup de Twitch. Ils reviennent. Oh là là, mais laissez-moi tranquille. Ah, on a un coup de corps à corps avec F. Ah, pas mal. Ouais, alors je sais pas si on peut l'utiliser. Mais... Ah, il est trop bien. Ouais, voilà, bah c'est ça, c'est en fait avec F quand tu te fais tuer, quoi. Bah alors on est bien. Bah ouais, mais je vais me faire tuer. Moi aussi. Putain. Mais c'est bordélique, oh là. Ah bon? Ah bah moi aussi, ça y est, je suis mort. On peut se suicider, hein. Super moment bien animé. Je sais pas qui c'est qui est au niveau de mon entrejambe, mais... Ça, c'est moi. Mission échouée. Mission échouée, ok. Ah bah on a un rang, on est rang. Un rang F, un PC. En F, on a pas terminé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas. Bah, recommencer. Ouais, moi aussi. Et... Attends, non, faut pas se barrer. Je pense qu'à la fin du timer, ça... Ah non, ça... c'est bon. En fait, on revient à l'accueil, enfin à la game room. Ouais, si tu fais exit, mais si tu fais. Si tu laisses le timer. Si tu laisses le timer, tu reviens à la ready room. Ok. Au niveau des modes de jeu, ça ressemble beaucoup à Counter-Strike, Zombie, Nexon. C'est-à-dire que t'as un mode scénario et à côté t'as. Un mode deathmatch. Ouais, du deathmatch et tout. Ouais. Bon, alors je restart direct. Donc on peut heal avec eux, ok. Ouais, et on se fait pas baiser. Et donc n'oubliez pas le coup de cross. Hein. On peut pas mettre de kick ou je sais pas. Parce que ça, on pouvait dans Fear 2. Voilà, c'est un coup de cross avec F. Il a abandonné les pieds, le mec, il a fait ses pieds. On a et toujours là... des pieds parce que dans Fear 2, on voyait nos pieds. Ah, je vais vérifier, tiens. Bah là on les voit, ouais, très bien modélisé d'ailleurs. Aussi beau que Duke Nukem Forever, bien sûr. Ah, il y a un peu de ça, ouais, en fait. Bon, du coup, on va passer un... Alors, spacebar skip, mais non, ça marche pas. Bah... Ah non, faut peut-être que Julien le fasse également. Bah non, parce que c'est moi qui ai lancé la partie. Mais ça te donne pas tous les droits, mec. Bah, démocratique, on vote. Non, moi je suis désolé, mais pour moi, quand je crée la partie, ça me donne tous les droits et je vous emmerde. Clairement. Donc, tu vas changer de ton. Non, est-ce qu'on va nos petits petons? Ah non, même pas. Non, on va pas nos petits. C'est juste dans la cinématique du tuto où tu vois tes magnifiques bugs. Donc, on recommence. Allez, c'est super. Quelle équipe, BHL. Ah oui, avec Théon, on a une lampe torche, je sais pas si vous le savez. Ça, c'est vachement bien pour tuer des monstres. Ah, viens un chat, Léon vient de découvrir un chat. Ouais. Viens aussi quand on est sur Skype. Le mec, il démonte tout. Moi, je suis là pour casser les sucres sur le dos du jeu ce soir, donc. Je vous le dis. Sinon, dans le tuto, on a un mode bullet time qu'on trouve pas ici. Oui, exact. Par bullet time, vite fait. Ah, il dure 2 minutes, quand même. 2 minutes, c'est gentil. j'aurais dit 4 secondes, moi, mais... Intelligence artificielle aussi poussée que...
Attends, trop d'école. Poussez. Qui passe à travers les distributeurs, hein, faut le signaler quand même. Mine de rien, on n'en parle pas assez. Mais c'est pas mal qu'ils rendent le jeu vidéo. Pourquoi s'emmerder à faire des animations d'enjamber un objet et machin alors qu'on peut passer à travers les distributeurs? Franchement. Donc faut désamorcer. Bah, les ennemis le font, hein. Nous non, mais c'est bon. Ok, donc là on fait gaffe. Il y a le mec derrière la caisse là, normalement, l'espèce de gros sac là. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, bien vu. Et il est là, voilà. Le Black Ops. Oh, là, oh là, il fait mal. Il nous met en feu. Ah non, pas du tout. Ok, aucune utilité. Il y a des mecs derrière. Oui, il y a des mecs dans le dos aussi. Alors attends, parce que. Non, ok, c'est une trousse de soin. Ok, les trousses de soin rouges là pour faire remonter la. Oh merde. Wow. Ça fait, en tout cas, ça fait peur. Hein. Il y a quoi dedans? Décidément, les jeux censés faire peur en ce moment, c'est pas trop ça quoi. Entre Alien qui fait pas vraiment peur, Evil Within qui fait pas peur du tout pour l'instant, pour moi, 5 heures de jeu, et ça qui était quand même le premier, je me souviens qu'il faisait peur quoi. Mmh. On était peut-être plus jeunes aussi. Ouais, mais même. Moi, c'est encore une fois pas vraiment un truc. Il y a eu des effets sur moi, la peur dans les jeux vidéo, sur beaucoup de jeux en tout cas. Et je me souviens que Fear, oui, alors que les Resident Evil et tout, non. Ça marche pas. T'as peur. Ah, on prend les machins là. Si en fait, on se met de l'autre côté, tu vois. Oh d'accord, faut attendre, Mystics. Oh. Ah, c'est une effet de couvrir. Oh, j'ai plus de vie déjà, putain. Plus de gun, surtout. Imagine que même pas. Oh d'accord, passer une bombe. Tirer dessus, c'est pas plus rapide. Tire rien. La prof contient 44 secondes, d'accord. Alors c'est moi qui. Bah, merci BHL. Ah merde, je suis mort. C'est une gentillesse. Je suis mort, Ça a l'air bien, je suis. Oh là là. C'est la mort aussi. Tu veux venir là? Attends, on prend qu'elle est 25 en plus. Non, ce serait pas drôle. Ah, merde, si faire gang-gang, on fait pas. Oh là là. Mais c'est au milieu d'ennemi, tu peux pas bouger. C'est vraiment bien. Un jeu hardcore. Ouais, donc on a encore perdu, les gars, je veux pas dire, mais. Attends, warning, attends, t'es exposé maintenant, là, en plus. Ouais. Dites-moi, c'est vrai que t'en as pas l'air très top. Ah bon? Michel Bale, on pense une vieille bande d'arcade dégueulasse. Ouais, grave, c'est exactement ce que je pensais, un Boom Time Crisis. Bon bah, Exit, du coup, ça sera. Merde! Qu'est-ce qu'on fait? On la retente une dernière fois, on voit d'autres missions après ou. Voilà, on va en deathmatch. Ouais, en deathmatch, ça va être relou. Attends, t'as vu la physique et le bordel du jeu? On va se retrouver avec des mecs qui filent des coups de crosse dans tous les sens, ça va être super amusant. Franchement, on est là pour faire du coop, pas du deathmatch. Mais sinon, on change, ouais, on a qu'à changer de map, là, on arrive pas. Voilà. On la retente un coup, parce que c'est quand même la première. On est en facile. Ouais, les go fastoche. Comment on fait pour changer la difficulté, là? Je sais pas. Ok. Bah, je sais pas moi, comment t'as fait tout à l'heure? Ok, bon, d'accord. Bah, en fait, je venais de créer la room. Donc, à mon avis, faut peut-être en recréer une. Alors, ouais, easy, Subway Panic, easy. Quelqu'un m'a invité, Ketu Pouaka. Je sais pas qui est-ce qui a fait ça. C'est pas nous, ça. Ah, bah, non, bah, donc je refuse. Désolé, c'est peut-être quelqu'un qui suit le live, j'en sais rien. Attendez, je vais créer rapidement. Vas-y. Je suis encore invité, Ketu Pouaka. Je suis désolé, Ketu Pouaka, je ne peux pas. On est déjà 4. Tac, on va se mettre en facile. Scénario. C'est un fusif là, par contre. Là, c'est bon, normalement, vous avez encore joué le live et même pas ce que tout à l'heure. T'es pas le seul à avoir des invités de lui.
Mais c'est dingue, c'est quoi cette histoire? Alors, RGL Live. On a des groupes. Je suis pas sûr que ce soit un mec qui ait vu le live, mais bon. Ok, super, Rémi, tout ce qu'il faut, tout ça, la famille, si, si. Attends, je crois que le mot de passe, c'est le même? C'est le même. Ouais. Ok. Pour le coup, tout le monde verra le pass. Le pass super secret. Voilà. Ouais. Top secret. Qui n'est pas de mon idée d'ailleurs, hein. Quand même, je tiens à me dédouaner de cette histoire. Merde. C'est sa mégalomanie qui le pousse à ça, Gonzo. Je suis pas du tout auteur de serveur, de vidéo, de quoi que ce soit. On vient, on me dit le mot de passe, c'est Gonzo. Mais oh. J'aime bien les petits dessins là avec écrit help, help. Hein oh, j'ai pas celui-là moi. C'était qui, Fag? Ah, oui. J'ai un tampon. Donc. Ah si, pardon, je suis là, pardon, j'avais pas vu les petits help, ouais. Allez, cette fois, on l'a réussi. Ah, si on la loupe, on est vraiment nul, attends. Non, fastoche. Donc, même pas de trad hein, non plus. Mmh. Donc c'est pas très grave, hein, vu comment ça a l'air de parler. Parler basique. Le mec il me dit t'inquiète, je reste derrière. On ne voit pas depuis tout à l'heure. Hein. Non. Oui, grave, mais bon, ça. Allez, c'est parti. J'arrive pas. Oh mon dieu, le truc s'effondre pour la troisième fois. Ils sont énormes les conduits d'aération par contre. Ouais, ouais. Non mais les textures et tout, c'est quand même pas mal. Ce qui est drôle, c'est que moi j'arrive à tenir sur des machins qui bougent. Y'a quand même un peu de physique. Les types qui des machins qui bougent. Ouais, genre j'ai un petit bidon rouge là à mes pieds, je peux tirer dessus, ça le fait bouger. Waouh. Impressionnant. Ah, physique PS2 quoi, on est d'accord. Non mais regarde les textures et tout quoi. C'est quand même le chien. Ah ouais, je suis mal, j'ai mis un kick. Attends, il faudrait montrer le coup de pied, les deux coups de pied par contre, c'est énorme. C'est comment on fait? En fait faut que tu te colles à un mec. Tu te colles à un mec et il va essayer de te mettre un coup de pied. Je te jure le mec c'est Bruce Lee. Mais j'ai pas envie de me faire un clap moi. Vas-y, vas-y, regarde. C'était nul. Ok, bon débarras. Une sensation, un coup de pied. Allez, quand on disparaisse. Ouais, ouais, bah ouais, parce que tu comprends. Parce que en 2014, c'est quand même chaud de laisser des corps par terre. Bon, oh, hey. En plus, on se gêne pas du tout les uns les autres, c'est ça qui est pas du tout. C'est réaliste au moins. Bah c'est ça, au moins il y a quelqu'un qui est derrière toi et quelqu'un qui est derrière toi, quoi. Tu veux pas. Oh, eh. Pas déconner, voilà, prendre de la vie. Faire le tour du monde sur mon bateau et me battre avec tout le monde. Ah putain, à chaque fois je me balance une grenade. Donc, la trousse de soins qui est à l'intérieur est pour toi, hein, je pense. Hein. Ah, ah, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Une crache de sang. J'ai déjà fermé la porte. Non. Cinématique. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir voir. Waouh, je me sens tout à fait. Ouais, ouais, carrément. Ça me rappelle Resident Evil. D'ailleurs, il y a un espèce de clin d'œil, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il va vous venir une des premières scènes du jeu, il y a un espèce d'infecté qui se retourne, un peu comme le premier zombie dans Resident Evil. Ça, ah ouais, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment un putain de la même scène, quoi. C'est quasi la même scène, sauf que c'est dehors, mais il y avait le même plan de caméra et tout. C'est assez drôle. Il faut spammer comme un gros.
comme toi là en fait. Des trucs. Pourquoi la bande annonce avait l'air chouette? Ouais, bah, comme beaucoup de films de merde, tu sais, quand tu vas au ciné, tu dis que la bande annonce, et en fait, t'as tout vu dans la bande annonce, quoi. Est-ce que je vais mourir? Pas... Le suicide de Léon. Ça, quand même, faut pas déconner, ça marche. Jamais. Je pouvais te soigner dans Fear 2 ou 1. Ah, mais il y a toujours le coup de pied sauté, je sais pas si vous vous souvenez, tu sautais. Ouais, je me souviens. Ouais. Tu faisais un double des coups. Mais c'est dans Fear 2 ça. Comment on fait? Tu sais, voler les gars. C'était pas mal. Ah, en plus, on était à. Ah non, si, on était à la fin de la mission ou épisode 2, je sais pas, non, c'est pas en fait. Déjà, direct, ok. Donc. Oh, les impacts de violence. Ouais, fais voir. Ah ouais. Ah oui! C'est des pistolets à merde! Ah, ils disparaissent quoi, c'est-à-dire que ça c'est pareil, je veux dire, même du Quick Game 3D, lui pour le coup, il gérait des trucs un peu mieux que ça quoi. On peut, ouais, bon, on va suivre l'objectif, de toute façon le jeu a l'air de nous prendre pour des gros cons, y'a pas de secret, y'a rien. Ouh. En plus, ces aliens-là, tu les retrouves dans Fear 2 dans un réel film. C'est pas le 2. Et là, tu les retrouves comme ça en jungle, quoi. Bah, ils sont peut-être échappés, tu sais. Justement. On est censé être dans un métro, mais. Un métro squatté par des clodos et tout quoi. Non mais il y a un grand muret devant un métro, comment il passe Ok. Ah, une bombe a été désamorcée. Non. C'est bizarre. Mais attendez, pas du tout. On est gifié. Mais attendez, pas du tout. C'est pas du tout un truc qu'on a fait dans la mission d'avant en plus. Donc bon, quoi. C'est ici le simulateur en fait. Des lunettes de bonbons de l'eau. Faut ouvrir aussi, tu vois. Ah non, attends. Faut pas trop en demander, c'est compliqué de mettre des pièces. C'est moins de boulot pour l'équipe. Hein. Ça sera pour les DL. Wow. Super défait. Lol. Attends, on a notre pote. Ouais, j'ai dit que y'a rien à foutre. Ouais, moi aussi, quoi. Ah, y'a mieux invisible. Ah, mais c'est l'autre qui va arriver, il va dire, hé, les mecs, je vais vous aider. Voilà, regarde, hé, qu'est-ce qu'il y a de l'autre dit, lui, il est capable de mettre un coup de pied dans le distributeur, nous, non. Il est aussi capable de descendre. Pousse-le, vas-y. Oh, sticky. Une cinématique. C'est tellement prévisible. Ouais, ah non, checkpoint. On se croirait dans un vieux jeu de. Et ouais, c'est ouais. Précis, ça mort. Épisode 3, bah si, ouais, c'était la fin du niveau, ok. On est déjà pas la peur. Franchement, moi je me sens impliqué et tout. Pas pour vous, mais. Ok, je peux pas me faire exploser la grenade. Mais ce mec là, il était pas dans le premier tir pendant le 2? Dans le 2, ouais. Les pyros, tu parles. Ouais. Ouais, ils étaient. Ah oui, dans l'école. Oui, non. Dans l'école, c'est dans le 2 ou dans, un, dans le 3? Dans le 2. Dans le 2, ouais. À l'époque, c'était plutôt joli en fait. Je me souviens. Ouais, c'est. Putain, on a déjà terminé l'année. T'es sérieux? Non! C'est une cinématique. Ah non, c'est un... Ah non, ils nous ont téléporté. Un de petit vieux, ouais. Ouais, parce que le pathfinding, sinon c'est chiant à programmer. Je
C'est pas crédible. Ça va être tout tout ma place. Franchement, il y a rien pour sauver le bordel, je suis désolé. On va croire que je suis un gros troll, que je fais preuve de mauvaise foi si j'ai vu de la vidéo, c'est pas faux. Mais quand même quoi, merde, enfin... Enfin, je suis pas dans l'interview aussi. On a déjà vu deux variétés d'ennemis en une minute de jeu. Non, en 3 il y avait des lance-flammes aussi. Oui, 3. On va y des bêcheux quand même. Est-ce qu'on peut jouer à la manette? Je m'étonnerais. Ah, la mienne n'est pas branchée. Ah, la mienne non plus. C'est un bordel de cette façon là-dedans. Ah mais j'avoue, putain, je pense qu'on est des mobs... Ok, je suis en toi, type. C'est ça que je sentais. Oh là là. Ah, on peut tomber. Y'a pas de dégâts de chute. Bon, c'est la fin du niveau. Je vais sauter, voir s'il y a des dégâts de chute. Ah ouais, y'en a, effectivement. Faut que je suis utile. Du coup, les mots, il est où? Ah ouais, mais du coup il est mort donc il prend pas le... Ah d'accord. Il prend la partie de la mission avec nous. Ah c'est okay, punitif hein. Alors, 3 minutes pour désamorcer. Une bombe, tiens bon. Ah ouais. Je tombe ça à vous. Oh, j'ai des trucs. Ça on l'avait jamais fait encore. Désamorcer une bombe, c'est nouveau comme objectif. Oh putain, c'est le déplacement d'ennemi. Oh ouais, c'est... Et c'est bon, il y a une espèce de bruit répétitif là, qui fait cuicouille, cuicouille... Ah oui, c'est la tourelle en bas. Ah, il y a un mission. Voilà. Ah, je peux le prendre. Ah, c'était pas à couper par contre. Ah, bah tiens, j'ai trouvé comment désamorcer la boue. Bah, désamorcer là, je t'en prie. Ah bah, y'a plus de mal dans la... Oh la gueule. Ah bah Julien est mort. Est mort, décédé. C'est un journal ça ou... En bêta. Il est sorti, non? Il est sorti, hein. C'est sa date de sortie. C'est sa date de sortie aujourd'hui, ouais. Ouais. C'est sa date de sortie aujourd'hui, on l'a chopé... Donc on l'a chopé sur le site, hein, donc Peut-être que tu sors de là, en fait, je crois qu'il y a de l'électricité. C'est ça. Il y a des grenades, là, visibly. De soins ici, munitions... Et qui sera... Et qui arrivera sur Steam un peu plus tard, apparemment. Bon, et là, apparemment... Il y a un peu de fusée quand tu tires dans les plots. Qu'est-ce qu'on doit foutre? Sticky, court et appuie sur... Ouais, pourquoi? Non, tu vas voir, c'est marrant. Ah oui, on peut faire des glissades. Voilà. Zombie chien. Génial. Génial, mais c'est bugué là. Non. C'est une bonne question, ils nous disent d'aller ici, nous y sommes. Que doit-on faire? Va dans l'eau, Ah, attends. Ah bah non. Je pensais qu'il y avait un trou et qu'on pouvait passer en dessous, mais du tout. Non. Ah, mais là, il y a un levier, là. Ah. Oh, une énigme. Ouais. Moi je pensais qu'il fallait foncer le truc. C'est le pilule. Ouais, y'a un. Y'a du C4 dessus. Ah non, c'était une bombe pourtant. Ouais, on l'a désamorcé. Là y'a quoi? Oh là là. C'est un relou. Il reste pas un pauvre tremont à 2 balles. Il faut lyncher avant. Je dirais pas. En fait, les émotifs sont pas très cool. C'est the game. Sinon, moi je peux pas spawn, c'est super. Non, t'es mort. Ouais, j'ai un bug là, il est énorme. T'es dans le gars, c'est ça? Je suis dans moi, ouais. Dans le gars, ouais. À mon avis, il doit y avoir un truc à faire ici, mais quoi? Ah, je crois que le vieux se ramène. Moi, à mon avis, je sais ce qu'il faut faire. Le vieux se ramène, je crois. Continuer à coder le jeu. Je pense qu'il faut attendre que le vieux aille sur le courant là-bas.
Ouais, j'ai pas l'impression qu'il... Ouais, si, il y va, t'inquiète. Il prend juste son temps, là. Il fait ce live. Ouais, non, moi je veux bien, on va le pousser. C'est comme le père dans Rise, tu vois. Allez, avance. Son temps. Allez, tous les mecs avec les guns derrière lui, vas-y. Avance, bâtard. Voilà, tu peux y aller. Allez. Il va désactiver le match. Voilà, vas-y, va. Et puis maintenant, on ferme la porte et comme ça, on se débarrasse de lui. Oh, il est tellement prêt. Et ça, bien sûr, on peut pas le faire nous-mêmes non plus. Ok, donc il a défoncé le truc maintenant. Oh, le mec. Ah non, je peux pas spawn. Je suis condamné, ça y est. Ah si, c'est bon, je suis là. Oh, oh, y'a la fusil sur les cartes. Oh putain, la fusil de guerre. Ah, ok. Alors je remarque un truc. Ouais, t'as vu cette physique? Il n'y a plus l'espèce de grain dégueulasse qu'il y avait dans le tuto. Ouais. C'est tant mieux parce que je cherchais à le virer moi. Je trouvais ça insupportable. Donc au moins ça, c'est bien. Mais putain, mais regardez les textures de vos costumes quoi. Sérieux, non mais c'est... Sérieux les gars. Qu'est-ce qu'on fout là? Activer l'ascenseur. Eh, venez, venez. Eh, toi aussi, je vive. Bah. Oh, putain, sérieux. Je rappuie dessus, je m'en fous. Je m'en fous, je veux rien savoir. Je veux qu'on parte. Oh, le coup de caméra. Oh, bah ça alors, des ennemis. Mais dis donc, on se prend une embuscade, dis-moi. Ça fait vieux sous-jeu, c'est vrai que... On sent toute la pression. Ouais. Non mais, voilà, non mais le truc c'est que moi j'ai pas de problème à me taper des ennemis, hein. J'adore Destiny, et c'est vrai qu'on fait un peu que ça aussi dans Destiny, mais que ce soit un minimum que c'est de la gueule, quoi, parce que là, tout est daté, le gameplay... Mais ça se fait que jeu smartphone, en fait. Mais même, attends, moi sur tablette, je joue à Nova 3, qui est un clone de Halo, et qui a vachement plus de game que ça, hein, je te jure. C'est-à-dire que c'est même pas au niveau des jeux de tablette d'il y a 2 ans, quoi. Un an, un ou 2 ans, on va dire. De quoi on gagne des points? Ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà, c'est peut-être pour la boutique. Maybe. J'ai pas l'impression que je suis super fluide, quand même. Alors c'est que moi. Non, moi ça va, j'ai pas de problème de fluidité par contre. Encore heureux, sinon là... Je commence à... Je crois que je porterai plainte pour arnaque, même si c'est gratuit. Rendez-moi mes 2 gigas de temps perdu. Ah, surtout des... Que tu dis en étant bridé, hein. Oui, grave. Bah... La plateforme a pas l'air ultime. Hein. Magnifique travelling par les cinématiques qui passe à travers les décors. Hein. Magnifique mouvement. Non mais comment tu veux faire plus kitsch que ça quoi? On a des questions sur le chat ou enfin, quelqu'un te surveille ou C'est compliqué du coup. C'est compliqué, ouais, vu que ça pousse dans tous les sens. Ah mais c'est un boss ce petit bonhomme là. Ah, un boss qui a la même gueule que les autres, d'accord. Ah il est un peu plus grand. D'accord. Ouais ouais. Ouais, il a la même gueule que les autres quoi. Hey, c'est mal, hein. Ah Daïd, je suis mort. Faudrait qu'on le laisse au petit vieux, le petit vieux va s'en occuper. Là. Non mais les animations pour passer une barricade. Ouais. Déjà il y en a. Merde, je me fais buter. Ah mais je suis mort à cause de ça. J'ai pas lancé une grenade, j'ai voulu sauter mais bon, animation, ça m'a tué. Merci Robert. Un petit peu d'haricot magique. Ça fait plaisir, ouais voilà, haricot c'est nous. Il reste 80% de vie. j'ai plus de munitions, c'est original. Ah, les gros, ils devraient y avoir très bon jeu. Il y en a. Parti.
Ah ouais, il est là, merde. Je crois qu'on est tous morts. Non ? Sérieux ? Merde ! Yes ! Ah, je fallait même bien, attends, je vais me faire peur. Mais je serais venu vous... vous aider. Alors maintenant, la question, ça va être, est-ce que... les checkpoints servent à quelque chose ? Oui, je pense. Non. Mission fail. Motherfucker. Ah, je devais le... Ouais, moi aussi. En même temps, on est foutrement bon. Ah, j'ai pas l'impression, tu vois. J'ai l'impression que... le checkpoint, ça sert aux personnes qui travaillent. On a même bon. Loupé une mission facile, les gars. Ouais, contre le boss, c'est la première fois. Il y a un côté un peu MMO, tu vois, il y a besoin de faire des backstrats, il y a besoin de se voir une heure avant le jeu. Ah, j'ai débloqué des heures. Tu fais quoi Ah, voilà, tu vois. Ah, pendant un jour, j'ai un M4 et un AK-47. Oh, putain. Pendant 24 heures. Ouais, moi aussi, M4-1 et AK-47. Oh, ah tiens, pendant une journée j'ai accès à deux skins. T'as de la chance toi. Ouais mais il marche pas, celui, le blanc, il marche pas. Moi non plus. Ah non mais le blanc en fait c'est pour le Team Deathmatch, c'est pour l'autre faction j'ai l'impression. D'accord. Du coup quoi? Du coup est-ce que si je fais ready ça reprend au checkpoint ou ça reprend tout tu crois? Je sais pas du tout. On fait une mission ? Bah, à la limite, ouais, hein. Alors, il y a quoi comme autre mode de jeu ? Il y a du deathmatch pourri. Il y a du démolition de merde. Il y a du knife fight, super. Ah, du combat au couteau, ça va être stratégique à mort. Non mais nous avons une autre en facile, une autre mission, et puis voilà. Hein. Mmh. Il y a que 6 modes de jeu en fait. C'est qui fait Je sais pas. Toi c'est qui? Ouais bah vas-y go. Ça va voir comment ça marche. Alors on va faire Firestorm. Ouais, j'ai reçu un mail de Ron Boss. Ah. J'avais 21 armes à débloquer. C'est peut-être lui qui essayait de nous éviter tout à l'heure. Ah ouais. C'était pas la même... Possible, parce qu'il voulait rejoindre, mais du coup, ouais, on était déjà 4. Ouais, mais du coup, on est 4, désolé. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on achète, en fait, c'est pour une durée déterminée. Ouais, de un mois. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le premier truc que j'ai regardé dans le jeu, il n'y a rien de... Tu peux pas lancer, étant donné que... Et ben, si vous voulez, je sais pas pourquoi. Il me faut un plan med. Quoi ? Il me faut un plan d'action. Il est écrit. Tu as toutes les 8 heures en fait. Alors, ok, donc je vais le faire. Alors, du coup, on va faire House Game. On avait fait quoi ? C'était Slaughterhouse ? Attends, je vais te dire ça. Ah, non, c'est dans. Bah merde, je veux pas du tout faire du. Ah, faut cliquer sur Fear en fait, là. Original et Fear. Original. Il y a des armes en permanence. Donc c'était Subway Panic, on va faire Firestorm. Ouais. Firestorm, si tu me balances une stambranle, Dead Can Chat, on s'en fout. Hot Drop, Use Optionic On, ok. Osgo Game. Moi aussi, j'ai besoin d'un plan d'opération. Je vais le faire alors. Back. Game Room. Post Game. J'arrive. Ok. Bon, je vais prendre un des derniers, genre je prends Tunnel. Ah non, on a déjà fait Tunnel. Non, c'était Subway Panic. Ah bon, merde. Voilà. Host Game. Ah bah je peux pas. Allez. Bon bah il faut attendre 8 heures pour faire un scénario. Mais même attends, si je fais Subway Panic, si je le remets. Putain la même. Oh comment c'est du vol. Ah non mais c'est du vol. Ah ouais, c'est du vol à l'étalage. Ouais. Non, mais, attends, les tickets sont chargés toutes les 8 heures.
Non mais ouais. Parce que moi ça m'a fait pareil aussi, et pourtant j'ai pas créé de partie du tout. Bah non, mais c'est pas quand on crée, c'est quand on joue des scénarios. C'est ça. Chaque fois qu'on joue. Et donc en gros, si on crève, eh ben, on peut pas recommencer. Ah, en fait, par contre, on peut inviter pour du multijoueur basique. Voilà, oui. Super, trop bien. Et en fait, pour avoir des plans d'opération, il faut payer avec du véritable argent. D'accord. Bah ouais, c'est-à-dire... Bon, je vais regarder. Ok, déjà je peux pas acheter là. Payer avec du véritable argent pour 1, 2, 3. Il y a que 3 maps en fait. Enfin, 3 scénarios différents. Ah, et puis pour la pauvreté de ce qu'on a vu quand même. Voilà, on a vu qu'il y a eu le premier jusqu'au boss là. Oh, ok. Je me suis acheté des armes aussi. Ouais. Ouais, mais toi t'es un acheteur compulsif toi. Ça y est, t'as sorti la carte bleue. Le PayPal et tout. Est-ce que tu débloques quoi? C'est mal. Allez, dis-le, tu fais craquer ton PayPal. Ok, j'avoue. Bon, bah, c'est trop bien. Ah, j'avoue. Bah, BGE. Qu'est-ce qu'on. Putain, j'arrête pas de me faire inviter par des gens, mais. Ah, bah, c'est Sticky Rise. Ok. On a que. Là, maintenant, on a plus que le multijoueur basique. On va monter peut-être un peu de PVP, voir. Et on va pouvoir inviter un boss, du coup, il va être content. Ouais, bah. Ouais, viens, invite-le, ouais. C'est ce que je fais, mais il accepte pas. Oh, il est nul. Enfin, moi j'ai un suite. Pareil pour toi, BHL, j'arrête pas de t'inviter, mais. J'hésite finalement à vous faire des demandes d'amis parce que je suis pas sûr de me reconnecter au jeu après la vidéo en fait. C'est pareil. C'est pareil, c'est en projet dans ma tête. Ah, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a en projet de te reconnecter ou... Non, de le supprimer, de le désinstaller. Et d'éviter cela, à tout jamais. Bon, on refait 2 contre 2 alors ? Bah ouais, parce que le grand boss ne vient pas. Bon. On va go. Il doit être en partie, en plein up. Ah ouais, bah lui il aime bien tout ça, dès qu'il y a du PVP, il est content. Ouais, alors en vrai, vous avez pas essayé Tactical ? Moi aussi, j'aime bien PPE, sauvage, PVP, tout ça, mais. Mais enfin, faut pas déconner quoi. Je suis avec qui moi du coup ? Avec moi. Ok, super. Bon, viens, on fait des strats, on campe ici, on les attend. Ah ouais, de toute façon, faut jouer safe. Voilà. Est-ce que quand je tire, vous me voyez sur la map? Non. Et t'as vu, j'ai une hache de bûcheron. Moi aussi. Ah bon? Ah ouais, allez, viens, on y hache de bûcheron. Go. Attends, j'ai un truc qui va être pas mal aussi. Coup de couteau. Ils sont où? Je sais pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça la traque comme ça. Ah, je suis dans la cuisine. Ah, je les vois. Ah, tu les vois? Ah non, c'est le spawn ennemi. D'accord. Je peux pas rejoindre en cours. Ah, il a dû prendre trop tard. Eh ben, là, dès qu'on a fini. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a 100 frags à faire, donc on va peut-être. Ouais, oui, oui. On va juste se trouver, et puis après on va relancer. Ça va aller vite. On en rond depuis tout à l'heure, je crois. Puis je peut-être. Qu'on chacun en rond. Ouais. Peut-être la mettre en public, non? Oh! Allez, t'es pas mort! J'ai mis 2 coups. C'est moi qui ai fait le top. T'es pas mort! Ah, mais c'est Julien! Et de deux! Putain, c'est un pro-gamer de jeu, gros homme! Ouais, c'est un truc que je vous ai pas dit, mais tu fais de l'e-sport sur online. Il me semblait, ouais! Le jeu est sorti aujourd'hui, mais moi j'ai la bêta depuis 6 mois. Ouais, parce que dans l'approche, tu connais, quoi. Et bah, en fait, j'ai participé au développement de la bêta sur PS2. Faut qu'on reste groupé, BHL. Ouais, j'arrive. Non, je suis derrière toi, je te suis. Comme ça, dès qu'il y en a un, je te venge direct. Par contre, la hache, c'est de la merde. Ça tout shot pas. Ah, mais c'est beau, regardez, il y a une petite piscine. Ok, il est ici, je crois. Parce qu'elle est rouge, c'est des pro-gamers, là. Attends. Ah non. PGM time. Le mec, il squat toute la nuit, quoi. Ouais. En même temps,
quand tu vois les qualités d'un jeu comme ça, ça voilà quoi, merde. J'ai envie de te dire. Je sens qu'il y a du boulot et de l'amour du jeu vidéo derrière tout ça, quoi, donc c'est un peu dommage de pas en profiter. Et c'est ce que je fais, j'en profite. T'es pas mort ? Ah si. Si, si, je suis mort. Quoi ? Quoi ? Mec, il y a un gros truc énorme. Très gros saut ! Il a tué un mec. Really ? J'en ai tué un de vous au moins ou ? Non. Le mec il est sous l'eau. Putain, tu peux aller sous la flotte. Tu perds pas de vie, ok. Ouais, c'est énorme. Ils ont même pas codé ça, t'as apnée infinie. Blablabla. Ah, puis tu tires comme si t'étais dehors. Ah ouais, c'est... C'est super bien foutu. Ouais, ouais, c'est... C'est une nouvelle option, une nouvelle méta de jeu, j'ai envie de dire. Juste une leçon de game design pour tout le monde, quoi. Non, mais appelons un chat à un moment, bon, voilà, quoi. Tu prends ta... Ah là là, ils sont là, ils sont là-bas, BHN. Ah, je sais, j'ai vu. T'as vu où ils sont? Oh le bâton. Le mec il a spawn devant toi, c'est ça? C'est ça. C'est ouais. Ça. Allez, je te suis. Attends, viens voir, ils sont dans la piscine, alors faut trouver comment on va à la piscine. Viens, on campe. Bien sûr qu'on campe. Cours avec la grenade, Gonzo, tu vois, c'est rigolo. Ah ouais, on a l'impression d'être petit dans Duke Nukem. Est-ce que c'est par là? Ouais, c'est par là, regarde. Ouais, qu'ils sont là-bas. Tu peux aller dans l'eau? Là. Ah, allez, c'est... hein. Ah, oh, mais tant. Ah, bon, il y a un pop là. Ah, mais c'est un bon truc. Ok, ouais, c'est un bon pop, ouais. Allez. On a trompé le pop. Oh la tête. Oh la tête par terre, quoi. Ah merde, allez, il y a un massif là, c'est chaud. Ah dommage. Ah c'est bon, je te venge. Merci. Ah, tu m'as coupé en deux. What? Beau jeu. Beau jeu. Les sans-frags, on va les faire transporter, hein, je pense. Hein. Tranquille. Ouais. Ah mais il y a un mec qui nous a rejoint. Ah bon? Ouais. Ah oui, je viens de le voir. Enfin, genre, je croyais que c'était sec. Genre, un mec qui s'est acheté un skin. Ok. Ah, c'est un mec qui aime beaucoup le jeu. Ah putain. Ah, mais oh. Je touche pas avec cette arme, c'est. Dégueulasse. Bon. Disrespect. Wow. Y'a un mec qui tire, non? Il va pas rester longtemps là, cette cutline. Ah bah il faut pas. Ouais. C'est la folie ici. On prend pas, on joue bien pourtant. Allez, tiens. Ah, ben, j'ai eu l'autre à côté, ça va. C'est bon. C'est... Putain, j'ai eu en plus. Ah, ça, invincible. C'est relou ça. Oh là là, le jeu quoi! J'ai l'impression de jouer en réseau local. Ah, ça y est, Rambos a rejoint. Ah bah voilà! Allez, on filme QBHL pour péter ça et je viens avec, voilà. Non, j'ai plus rien, j'ai multi-kill. Ah, le hardcore gamer! Ah, on a Rambos avec nous, on est sauvés. Qu'est-ce que c'est que ça? Va le dieu, bah. Tant de modestie, cher Ambos. Oh, il m'a éclaté! Ah oui, j'avoue que cette arme est pétée, j'ai l'impression. J'ai ramassé sur un mec. Trop à la physique des sauts dégueulasse. Ah bon? Ah oui. Je te trouve dur là. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais je touche les mecs, c'est la fête.
fait la fête avec les préservatifs, du coup il fait la fête. Bon, le but c'est de se mettre derrière cette porte et d'attendre qu'il sorte. Salut Rombos. Voilà, t'es mort. Ça te prendra un stream hack sur l'écran de Julien. Merde. J'attendais. Gonzo. Ah, il y a des... Oh, joli. Ah, je l'ai pas eu, il y en a plus loin. Y a un mec derrière. Non. C'est bien, c'est toujours le même point de spawn. Donc à mon avis, tu peux vite te retrouver avec des gens qui attendent au point de spawn et... Bah, comment vous êtes voilà, c'est ça. Il n'y a aucun recul sur le chanel. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où, ça? Je sais pas. Il est chaud, là, Yolocraft. Ah bah Yolocraft, ça y est. Il est prêt pour l'e-sport. Lui, il est prêt, mais pour la compétition sur ce jeu. Ah, j'avais pas vu qu'on avait un... Mec, c'est le fait, on est 4 maintenant, quoi. Et non, il y en a un qui rejoint encore. Et il est parti l'autre de tout à l'heure, Secret Line. Ah, j'ai fait une assist. Un peu trop de niveau de jeu, je pense, pour lui. Oh, il y a des murs à l'histoire partout. Non. J'en crois pas un mot. Oh là là, le coup de la piscine, c'est quand même assez improbable. Ah oui, c'est vrai que même dans la piscine, il y a un mur invisible. On peut pas aller partout dans la piscine. Recule, ils vont se voir. Ah, je m'en fous, là. Ils sont morts. Ah, putain. Qui c'est qui m'a tué là? Yolocraft. Oh, Rombos, bah sur le spawn, bah non, je suis désolé, mais non. Meurs. Il est où le dieu maintenant? T'as sticky sur le spawn. Lose! Lose! C'est ta faute, Julien. C'est ça. Non, c'est la faute de Rombos. Rombos, il a ruiné la fille. Rombos, qu'est-ce que c'est de ça? Ah, on peut pas rejouer. Non, bah non, il faut des tickets. Oh merde! Ah, il s'est cassé la gueule, il n'en pouvait plus. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est comme les manèges, hein. C'est renversant. C'est comme les manèges, il faut payer les tours. Il y a masse de gens quand même. Ah, le jeu vient de sortir. Les gens veulent se rendre compte si c'est vrai ou pas, quoi. Après. Après, est-ce que ça va durer? Ah, j'ai eu deux skins aussi, Vincent et Bill Walker. Ouais, mais venez chez les bleus un peu, les gens, quand même. Oh, je lance directement du coup. Le mec, go. Hey, le mec, t'en peux plus. Il en tremble. Il joue vers ouais, ouais. Allez. C'est encore la même map? Faut croire, ouais, c'est encore la même map. Ah, bah, les autres, elles sont payantes. Ouais. Ah, mais il y a un système d'équilibrage très optimisé. Je viens de voir que. On est 2, ouais, on est 3 sur 7. C'est parce que le team balance n'est pas activé ce type. Ah, d'accord. Ah, c'est moi, start le game. Ah. Non, c'est tout le monde. Ah, d'accord. On est déjà en jeu. Donc le spawn, ça va pas changer, hein. C'est toujours là. Donc du coup, ça sent le camping. Ah, vous êtes dans le jeu, moi je suis pas. Ah merde, putain, je fais de la merde. Ça commence bien. J'ai pas d'histoire d'argent, c'est vraiment du smash qui fait méchant. Aïe! Ouais, tu veux histoire d'argent. Ah ouais, je peux pas rejoindre, d'accord. User is not in the waiting room. C'est qui? Je le suivais depuis le point de spawn, tranquille. Ah ouais, mais moi je joue pas le parano, je me retourne pas toutes les 30 secondes. Ah ouais, le jeu bien de... D'accord. Ah ouais, bien. Je veux pas venir. Ah bah. Merde. On peut ouvrir une porte des gens. Pour quelle raison? Oh, je sais pas, c'était peut-être un peu insultant. Ou juste pour le plaisir de la délation, hein. Tu sais, il y a des gens qui ont délation. Il y a
J'aime bien balancer. Pour le plaisir de la délation. C'est ça, elle a un coup plus court. Faut pas sous-estimer le plaisir de la délation. Hein. Pour illegal use of so tools. Y'en a en 39 qui sont sous-estimés, je suis sûr qu'ils sont, mordraient les doigts s'ils pouvaient encore aujourd'hui. Y'en a qui aiment bien ça, hein, graphiquement. Oh là là, ça campe les escaliers, ça campe les escaliers. Moi c'est bizarre, je trouve personne, c'est Ça compte dans les escaliers, c'est mort, quoi. Viens, regarde, attendez, déjà il y a Total qui est devant, là, on peut pas passer, voilà. Et puis, tu vois, ils sont tous dans ces putains d'escaliers, là. Là, il y a un qui est mort. Attends, moi j'y vais, on... Tous dans les escaliers, les gars. C'est bon. Là, Julien, salut. I'm reloading. Caché dans la piscine, hop. Il y a quelqu'un au niveau de la porte. Hein. Oh. C'est Julien, je dirais. Non. Oh, j'en ai eu un. Oh, j'en ai eu un. En plus, ça fait plus de 5. Plus bas, là. J'ai ramassé un fusil à pop-pom. Oh, merde. Ah, mais je peux pas rejoindre. D'accord. Bon, je vais tisser, revenir. De quoi? Comment ça se fait que t'arrives pas à rejoindre? En fait, le jeu est bugué. Ah bon? Ah bah oui. En fait, il me dit que je suis en raid. C'était pas du tout le cas. Je peux pas rejoindre. T'es dans le store ou un truc comme ça? De quoi? Est-ce que t'es dans le store ou une connerie dans le genre? Non, pas du tout. Justement, je veux pas aller dans le store, je veux pas rejoindre, je peux pas quitter. Eh mais la piscine, ça veut tellement rien dire, quoi. Je peux relancer le jeu, super. Bon. Ah, oh merde, ouais. Par contre, les grenades explosent aussi dans l'eau. Victime de bug. Développeur, prenez exemple. La leçon, on l'a dit tout à l'heure, leçon de game design. C'est le jeu de votre vie. Wember. Ah, les conserves, tu peux tirer dessus, elle vole. Dans la map, ça campe de partout. Ouais, c'est vraiment... Non, je peux pas vous laisser dire ça. Il faut que je reste objectif, en tout. De grâce, c'est objectif. Putain, il commence à me saouler. Non, pourquoi? Si tu trouves ça, petit putain, c'est grand, c'est une belle maison. Magnifique propriété. Je crois qu'il y a cette version de la map, mais ensanglante. Salut Julien. Ça va? Y'a un gars qui a un skin de meuf, non? Ah ouais. Oui, y a deux skins de meuf, je crois, ou trois skins de meuf. Je n'ai pas déverrouillé, sinon je l'aurais pris, forcément. Ah ouais. Allez, petit kill dans la piscine. Oula, merde. Dommage. C'est le meilleur boss qui m'a tué. En boss, si tu m'entends, vengeance. Moi, j'arrive. Allez, tiens, voilà, j'avais dit vengeance, en boss, c'est fait. Merde. J'ai tué après, mais... Alors... Oh là 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 là, mais ça rime à rien ce jeu. Ah bon? Arrête avec c'est quoi le nom du serveur? Je sais même... Comment ça, Sticky? Tu peux argumenter, s'il te plaît?
tu veux pas rejoindre en allant sur nos pseudo? Je crois que c'était ça. T'en demandes trop au jeu là. Un système de filtre de recherche, non? Pas des one. Pas des one. Pas sur le vanilla, faudra attendre les DLC. Jake. Ah bah c'est full. Ah c'est full? Non. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. C'est une partie prisée. Ouais. Hein. Bah ouais. C'est les meilleurs joueurs au monde qui sont rassemblés. C'est qui tourne à l'ombre. On va en kicker quelques-uns. Ah bah t'en demandes trop aux gens, on peut pas en kicker. De toute façon, on est bientôt fini la partie. 2 minutes 50, ouais. Ouais, 2 minutes 50, puis on a fait le tour, je pense, après, hein. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. On va pas se faire trop mal non plus. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce fire? Moi, je trouve ça bien. Je vais vraiment répondre à cette question. Ouais, bizarrement, le mode multijoueur comme ça en PVP, je trouve mieux que le solo. Bah ouais, y a un peu de ça. Au moins, on s'est marré, quoi. Une grenade. Mais bon, ça pisse quand même pas. Pas des masses. Pas loin, quoi. Et pas très loin. Ouais. Et pas droit. Pas très droit. Et contre le vent. Ouais, il suffit de camper à des endroits, puis on tue des gens, et puis voilà ce qui se passe, c'est tout. On pouvait s'attendre à mieux. Ouais, je... C'est dommage pour Fear, parce que c'est quand même... Mieux, c'est relatif. Où est ton échelle du bien, déjà? Ah, bon. Où se situe le bon, ou se situe le mauvais? Franchement. Qui développe cette chose? Aria... Non, c'est pas Aria qui développe cette chose. Et les joueurs de Domfront trouveront leur bonheur, hein, n'est-ce pas? Peut-être, mais non, c'est eux qui veulent le conseiller. Le premier, hein, parce que le deuxième... Le deuxième, c'est Crytek, donc ça va forcément être du lourd aussi. Il va être bien, vous en faites pas pour ça. Comme aussi bien que Crysis 3, je pense. On est pas loin de la victoire, hein, 3 frags. Ouais. On a plus qu'une minute, ce serait bien de mettre les 100 quand même, pour marquer le coup, hein, pour ouais, marquer la défaite du patron face à ses rédacteurs. Lose. Voilà, et là c'est 100. Voilà. Magnifique. Et voilà. Aussi, deuxième du team, et donc deuxième de la map. Ah, je suis content. Je suis content. Héroïque. Gonzo saura trouver une vocation ce soir. Ouais, mais je vous ai dit, e-sport, c'est bon. Voilà, hein. Je pense que ça y est. J'ai gagné une lunette de soleil, hein, pour pouvoir sortir, voir des godems, la péter, troncher des meufs et jamais les rappeler. Voilà. C'est ça. Donc, c'était Fear Online sur Gamers Live. Je pense que... Ah bon? Voilà. Ah, c'était ça? C'est d'accord. Pour ça que la gamine me rappelait quelque chose. Ouais, voilà, c'est d'accord. Pour ça. C'était un Fear, donc... voilà. Et puis, on va se dire à très bientôt sur Gamers Live. Ciao, ciao. Sur un autre jeu, hein, par contre. Ouais, on va essayer de retaper dans du plus lourd, parce que... Ça va pas, là. Ouais. On est descendu bas, donc ça pourrait être que mieux. Voilà. Allez, une bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao. Salut. Allez, salut. Ciao.